Pascal Pro n'a pas sa langue dans sa poche. Le journaliste qui assure la présentation de l'émission L'Heure des Pros a récemment fait parler de lui, en évoquant notamment l'arrivée de Laurent Ruquier sur BFM TV. Tous deux placés dans la tranche du 20h, les deux hommes seront en concurrence directe chaque soir. Et le chroniqueur originaire de Nantes n'a pas attendu la rentrée pour lancer les hostilités. Si est-il d'ailleurs ce type de comportement qui vaut à Pascal Pro l'étiquette de personnalité clivante, comme le lui ont fait remarquer nos confrères de Télévision Magazine dans une interview parue ce vendredi 8 septembre. Des accusations dont le journaliste ne s'est pas défendu. Mais si estime à nature depuis toujours. Déjà en CP, c'était comme ça. Je n'y peux rien, a expliqué l'intéressé. Certains, en général ceux qui me connaissent, m'adorent. Et d'autres me détestent. Des réactions extrêmes, dont Pascal Pro est parfois le premier surpris. Je crée une sorte de haine qui, parfois, m'étonne moi-même. Certains me prennent pour le diable, ce qui est assez fou. Supérieur à supérieur à Léa Salamé, Pascal Pro, Anne-Sophie Lapix. Découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunes et Ruquier Pro, le duel de la rentrée c'était la grande nouvelle de l'été. Laurent Ruquier quittait France Télévisions pour aller animer à partir de la rentrée sur BFM TV, une émission de 20h. La nouvelle en avait surpris plus d'un. Pascal Pro était l'un d'entre eux. Le présentateur de L'Heure des Pros, en concurrence directe avec la nouvelle émission de Laurent Ruquier, avait critiqué le choix de ce nouvel opposant, eu égard aux prises de parole politiques de ce dernier. Car l'animateur des grosses têtes n'en fait pas secret, il vote à gauche. Un privilège rouge qu'avait pointé du doigt le Nantais, qui a soutenu que jamais une chaîne d'information n'aurait pu mettre aux commandes un présentateur votant ouvertement pour les partis d'extrême droite. Article écrit en collaboration avec Simedia Crédit Photo, Denis Guignebourg. Just me.